Sur Mars, sur Internet, sur Mercure. Absolument, c'est ça. Dites-moi, le drapeau bleu, c'est quoi ça? Le... Pas lui, pas celui du Québec. Le Québec, l'Institut de formation théologique. Ah, son propre drapeau. Oui, c'est ça, c'est ça. Dans la chapelle, Alors ça c'est pour les personnes âgées, la canne, le pasteur. Et de l'autre côté, c'est bon, mais merci bien. Tu vas rester jusqu'à la fin. Êtes-vous des voyages à faire ça, soudainement? Non. Ça dure quelques minutes pour voir si la d'autres personnes qui arrivent. Pas trop beau. Un joyeux, là, c'est ça. C'est une salle qui a été rénovée récemment? Non, ça fait plus de... Je la connais comme ça depuis 40 ans. Ça fait autour de 50 ans. C'est ça d'avant-garde. Quand j'ai commencé à venir au Canada en 1980, c'était déjà comme ça. C'était comme une petite date en fin d'auditorium. T'as les mêmes chaises, même genre de chaises. Ah oui. Même style. Et la mosaïque, c'est quoi? C'est une pêche miraculeuse? C'est ça. Ça évoque le recrutement que nous avons dans nos communautés maintenant. Il a fait un Espagne, ce que je ne peux pas dire. Et Les cisterciens. J'ai pas pu apporter les livres. Vous avez activé ça? Oui.
André. J'ai pas pu, j'avais des difficultés pour sortir de la cour. Je n'ai pas pu lire. Oui, je vais lire le prochain. Je crois que c'est le mot qui fait ça. Éric, comment s'appelle l'abbé actuel de l'abbaye cistercienne? C'est André? Oui, c'est André, Don André. C'est pas son nom de famille. Non, c'est ça qu'on cherche. Moi, j'appelle toujours Don André. Don André, il est très sympathique. Ben oui, j'ai étudié avec lui à l'Université Laval, dans les années, au début des années 60. Et on a fait partie d'une petite communauté chrétienne de base sur le campus. Alors, c'est sympathique, André, ça va me revenir. Ça va peut-être me revenir avant. C'est ça que tu me diras. Moi, j'étais lui dans la province, dans le grand, c'est pas une Je l'ai trouvé avant toi. C'est pas Barbeau. Les trucs fonctionnent, ça va mieux, mais ça fonctionne. Là, dans la boîte, ça va être compliqué. C'est un test, oui, ça marche. Ah. Bonjour à tous, vous êtes bienvenus à cette 9e conférence dans le cycle de conférences Jean-Jacques Collier. Cette fois-ci, nous serons M. Éric Sylvestre, prêtre de Saint-Sulpice, qui actuellement est l'économe provincial et qui est aussi le directeur du séminaire de Saint-Sulpice, la résidence de prêtre de Saint-Sulpice et en même temps maison provinciale. Il est aussi le directeur du presbytère d'Oka, la maison qui là-bas permet d'accueillir des prêtres et d'autres personnes pour des exercices ou des expériences spirituelles. Pour nous, c'est un honneur d'accueillir M. Sylvestre à l'Institut de formation théologique de Montréal, étant lui-même un ancien de l'Institut et du Grand Séminaire de Montréal, où il a fait sa philosophie, sa théologie, et où il a reçu ses diplômes de bac, tant en philosophie qu'en théologie, en lien avec l'Institut, à l'Université du Latran. M. Sylvestre est lié aussi à l'Institut parce qu'il est membre du conseil d'administration de l'Institut à titre de trésorier dans le conseil d'administration. M. Sylvestre, je vais faire un parcours un peu allant et revenant dans différents aspects de son itinéraire. D'une part, du point de vue académique, ça nous intéresse beaucoup à cause de sa conférence. Il est ancien du Collège de l'Assomption où il a fait ses études secondaires. Et duquel il est membre du conseil d'administration au nom de l'archevêque de Montréal dans cette conseil d'administration du Collège de l'Assomption. Par la suite, il a fait des séjours à Rome où il a obtenu une licence en théologie sacramentaire à l'Institut de Saint-Anselme. Du côté des études aussi, il a fait une licence en théologie des arts à l'Institut catholique de Paris
récemment, qu'il a conclu ses études, et il est diplômé de l'école de Louvre, du musée de Louvre. Donc, de ce point de vue, son intérêt pour l'art, pour la théologie, pour la musique, sont très, très remarquables. De ce point de vue, et qu'il a accepté cette conférence, pour nous, c'est une joie. Du point de vue de son ministère, bon, alors, il a consacré pas mal de temps, soit comme chargé de la liturgie à la cathédrale Notre-Dame-Règne du Monde, et par la suite, évidemment, des ministères dans les paroisses, comme vicaire, et plus tard, il s'est déplacé à différents séminaires, soit en Amérique latine, au Brésil, soit ici même à Montréal, soit au grand séminaire Saint-Joseph à Edmonton, et par la suite, il a passé 9 ans comme recteur du Collège pontifical canadien. Son séjour à Rome lui a permis d'être le président des recteurs du Collège pontifical romain, ce qui est une position significative dans la coordination et l'animation de ces différents collèges qui accueillent des prêtres à Rome. Il a profité aussi de son séjour à Rome pour participer à des sessions de formation à la congrégation des saints, étant donné qu'il a pris au cours de son séjour à Rome le rôle de postulateur de différentes causes, une dizaine de causes des personnes religieuses, prêtres reliées au Canada. Donc, parmi eux, Jean Mans, donc nous allons fêter prochainement le 350e anniversaire. Et au collège, étant à Rome, il a été le procureur général de Saint-Sulpice, parce que pendant tout son temps, de fait, pendant tout son temps de séjour à Rome. Et revenant au Canada, il a été nommé directeur de l'Office national de liturgie à Ottawa, où il a fait un mandat de 3 ans. Par la suite, il a été nommé économe provincial de la province canadienne des prêtres de Saint-Sulpice. Comme vous voyez, son parcours est très significatif. En plus de son intérêt pour l'art, il a aussi un grand intérêt pour la musique, au point qu'il joue aussi le piano et l'orgue surtout, donc pour l'animation liturgique, il a des talents particuliers. De même que pour tout la distribution d'espaces, les jeux de lumière, toute la décoration des maisons, ce sont énormément de ses talents pour mettre en lumière l'art et la théologie. Donc, de ce point de vue, sa conférence de ce soir, portant sur l'abbaye cistercienne Val Notre-Dame, comme témoin d'une architecture bien enracinée et en même temps bien contemporaine, ça va lui permettre de nous partager une partie de ses connaissances, de ses goûts, de ses expertises et de son art quand même de parler. En plus, vous allez voir que sa façon de nous présenter les sujets, c'est très pédagogique et ça nous aide énormément à comprendre. Donc, je remercie M. Sylvestre d'avoir accepté de venir à donner cette conférence dans le cadre de la conférence Jean-Jacques Ollier et je lui laisse la parole. Merci beaucoup, M. Morin. J'espère qu'après pareille introduction, je ne vous décevrai pas. Donc, je vais vous inviter à suivre aussi sur l'écran, puisque parler d'architecture, c'est parler de l'image, donc ça va être important que vous puissiez, qu'on puisse illustrer un peu mes propos. Voilà. Le pape émérite Benoît XVI, dans son discours de Noël à la curie romaine du 22 décembre 2005, indiquait la voie de l'herméneutique du renouveau dans la continuité, pour tenter de résoudre la délicate problématique de la réception de la réforme liturgique de Vatican II. Depuis lors, mutatis mutandis, l'expression fut utilisée à profit dans d'autres sphères du savoir théologique. Dans le contexte des débats souvent houleux entourant la capacité de l'architecture contemporaine à rendre compte de l'identité séculaire du christianisme, il apparaît que la proposition d'une lecture de l'organisation de l'espace et des constructions résolument enracinées dans la tradition et ouvertes à l'inédit s'impose. Nous tâcherons, durant cette conférence, de montrer comment il est possible d'appliquer l'herméneutique du renouveau dans la continuité à l'architecture monastique
et plus précisément à celle des cisterciens de la stricte observance. Nous étudierons la réalisation récente d'un monastère, l'abbaye Val-Notre-Dame, construite en pleine forêt lannaudoise, à 100 km au nord de Montréal. Il n'est pas fréquent, dans le contexte socio-religieux actuel, de pouvoir contempler un projet de l'ampleur de celui qu'il est donné de voir grâce à l'audace d'une communauté cénobitique. Cette dernière qui, ayant choisi d'être plus que jamais un signe des temps et de le manifester dans un patrimoine bâti, nous lègue déjà un complexe peu banal qu'il sera intéressant ensemble de découvrir ou de redécouvrir. Après avoir dressé un portrait rapide de la genèse de l'entreprise audacieuse des moines, nous rencontrerons, en parcourant une généreuse documentation, l'architecte choisi pour donner corps à cette entreprise. Enfin, à défaut de pouvoir vous inviter au monastère lui-même, nous visiterons le site par le truchement de la technologie PowerPoint. Genèse d'un audacieux projet. Afin de bien saisir la portée réelle de la construction de l'abbaye Val-Notre-Dame, il nous faut esquisser à grands traits l'origine et le développement de la communauté cistercienne de stricte observance venue de la France à la fin du 19e siècle. Pour ce faire, il convient de rappeler les relations tendues entre l'État et l'Église suite à la Révolution française de 1789. Les personnes en autorité issues du grand bouleversement sociétal auront tôt fait de procéder à l'expulsion de plusieurs religieux, en particulier de Don Augustin de Lestrange, supérieur des moines de l'abbaye Notre-Dame de la Trappe à Soligny-la-Trappe. C'est ensuite, donc en Suisse, où il trouvera refuge et qu'il constituera un groupe de réflexion pour une éventuelle fondation monastique en terre d'Amérique. En 1793, Don Lestrange est fortement encouragé dans son entreprise par le supérieur général des Sulpiciens de Paris, M. Jacques-André Emery, qui souhaite depuis longtemps l'établissement d'une communauté monastique au Canada et plus précisément dans la province de Québec, qui garde en haute estime la culture française en dépit de la conquête britannique de 1760. La même année, un premier groupe de moines quitte la France vers l'Angleterre dans l'espoir de s'embarquer pour le Canada. Mais la Providence va organiser les choses autrement. Avant de traverser la Manche, l'évêque d'Anvers demande au supérieur des Trappistes de permettre à cette édifiante cohorte de demeurer dans son diocèse. C'est ainsi que voit le jour l'abbaye Notre-Dame du Sacré-Cœur de Westmalle, reconnue entre autres aujourd'hui pour la qualité de sa bière. 2 ans plus tard, Don Lestrange relance sa folle entreprise. Il écrit à l'évêque de Québec, Monseigneur Jean-François Hubert, pour lui exposer son projet. L'épiscope rappelle aux moines les conditions de vie austères au Canada, conditions liées au climat rigoureux. Cela va rendre encore plus difficile la floraison de vocation pour une communauté déjà portée sur l'ascétisme. Il faudra attendre l'année 1880 pour que Don Jean-Marie Chouteau, abbé de Bellefontaine, choisisse d'envoyer ses moines cisterciens aux États-Unis, dans l'État du Maryland. Cependant, un nouvel aléa de l'histoire fera avorter l'initiative. En effet, le 29 mars de la même année,
une loi particulièrement contraignante pour les communautés religieuses en France sera signée. En conséquence, bon nombre de moines de l'abbaye de Bellefontaine devront quitter le territoire. C'est alors que l'idée de fonder un monastère au Canada refait surface avec encore plus de vigueur. Le rêve de Don Lestrange pourra enfin se réaliser grâce au soutien du curé de la paroisse Notre-Dame de Montréal, le sulpicien Victor Rousselot. La complicité entre les pères Chouteau et Rousselot, tous deux natifs de l'Anjou, rendra possible l'établissement d'une communauté cistercienne au Québec. Les sulpiciens acceptent de détacher de leur seigneurie d'Oka, concédée sous le règne de Louis XV en 1717, 1000 acres de terre pour l'établissement du monastère. De plus, M. Rousselot réussit à convaincre le gouvernement du Québec des avantages considérables de la venue des trappistes. Il soutient l'idée que ces derniers pourraient même fonder une ferme-école de qualité, ce que les moines feront d'ailleurs. Enfin, Mgr Bourgette, évêque de Montréal, donne lui aussi son accord en soulignant la joie d'accueillir les trappistes. Je cite « Je puis vous assurer, écrira-t-il au supérieur des sulpiciens, que j'ai pour agréable le projet du séminaire d'établir au lac des Deux-Montagnes un monastère de la Trappe. » Les circonstances politiques et les projets ecclésiaux s'étant rencontrés, tout se précipite ensuite. Le 30 juillet 1881, l'abbé de Bellefontaine reçoit l'approbation du chapitre général pour entreprendre la fondation. Le 26 août suivant, 4 moines, 2 prêtres et 2 frères arrivent à Montréal par bateau. Et le 8 septembre 1881, le monastère Notre-Dame-du-Lac est officiellement fondé. Parvus fons crevit in fluvium. La petite fontaine est devenue une rivière à Oka. Les moines s'installent d'abord dans une maison de ferme appartenant à un meunier. S'ensuit la construction d'un premier monastère sur la colline Saint-Sulpice, rendue vite exiguë, puis d'un deuxième et d'un troisième édifice, en face de la butte du Sacré-Cœur. Les deux constructions seront tour à tour incendiées en 1902 et en 1916. Le dernier monastère cistercien à Oka sera rebâti cette année-là, puis vendu dans les années 2000 en raison de la rareté des vocations. On est passé de 177 religieux en 1950 à une petite quarantaine à l'aube du nouveau millénaire et des désagréments provoqués aussi, ne l'oublions pas, par le développement de la ville à Oka. En 2003, suite à une longue et sérieuse démarche communautaire, les moines décident de quitter Oka. C'est donc Yvon Joseph Moreau qui deviendra évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans le Bas-Saint-Laurent qui annoncera le déménagement du complexe monacal utilisé depuis 122 ans. Une période de temps non négligeable pour la jeune histoire de l'Amérique du Nord. L'année suivante, après avoir visité 22 sites, les moines achètent un vaste terrain appartenant à la famille Gadouri de Saint-Jean-de-Matha. Le lieu choisi répond parfaitement aux critères qu'ils avaient précisés au moment de prendre leur décision. Un lieu isolé, mais accessible, guère éloigné de Montréal. Un espace permettant le dialogue entre rivière, forêt et montagne, et il va sans dire un accueil bienveillant de la population locale. Quelques mois plus tard, les fils de Saint-Bernard et du réformateur de la Trappe, Armand Jean de Rancé,
sont enfin prêts à lancer un vaste concours d'architecture avec un cahier des charges détaillé. Il faut, je cite, « réaliser une abbaye contemporaine, sobre, écologique, bien intégrée au lieu, ouverte à la lumière, fidèle à la ligne cistercienne de toujours, mais vraiment québécoise dans son esprit et dans son utilisation des matériaux. » Une fois de plus, l'audace prophétique et le courage de ces moines bâtisseurs venus de France se manifesteront dans la construction audacieuse de la première abbaye verte au Canada, l'abbaye Val-Notre-Dame. L'option verte ou écologique de nos constructions, et qui écrira Don André Barbeau, actuel abbé de Val-Notre-Dame, s'est inscrite dans ce contexte de nature. Préserver l'écrin de verdure de notre lieu d'implantation en l'altérant le moins possible grâce aux techniques modernes dont nous disposons. Chauffage par géothermie, traitement et récupération des eaux, conservation des énergies, insonorisation, toit végétalisé. Comme nous sommes présents à l'église entre 4 et 5 heures par jour, très tôt le matin et en fin de journée, la géothermie s'est imposée d'emblée. C'est un procédé qui permet de maintenir une température stable et qui a l'avantage intéressant pour une communauté priante de n'émettre aucun bruit, favorisant ainsi notre climat de recueillement. Le projet de l'architecte canadien, Pierre Thibault, est choisi parmi plus de 60 propositions. C'est celui qui répondra le plus au désir des moines, car il allie et articule harmonieusement beauté, simplicité, luminosité et intégration du bâti dans l'environnement. Comme il arrive souvent chez les artistes contemporains, la confession et la pratique de la foi catholique ne saurait constituer des conditions sine qua non à la réalisation expressive d'une œuvre, voire même d'une œuvre identitaire. Pierre Thibault ne se distancie pas de ce courant, car il refuse de se définir d'abord comme croyant. Il se considère tout simplement comme le serviteur du premier art majeur qu'est l'architecture. Cette dernière occupe, selon la hiérarchisation hegélienne généralement admise, la première place dans les beaux-arts, en raison de son travail sur la matière et de sa particulière expressivité. Si les moines l'ont néanmoins choisi, c'est qu'ils ont reconnu dans celui que l'on surnomme le poète de la douceur, un contemplatif d'une profondeur remarquable, capable de communier spirituellement avec eux. Je cite, « Je pense que l'architecture, dira Pierre Thibault, a ce pouvoir de nous permettre des lieux de contemplation. Et pour moi, la contemplation est une nourriture qui nous permet de voir en soi, de contempler la vie et de comprendre que de courir comme des fous, ce n'est peut-être pas la meilleure façon d'être au monde. » À l'instar des grands seigneurs japonais du XVIIe siècle, qui, tous les 6 mois, abandonnaient leurs riches propriétés pour vivre dans de simples cabanes de façon zen, en quête d'une connaissance spirituelle qui ne vient qu'avec une vie sans ornement, l'architecte est perspicace, sensible, intérieur. Ainsi, il ne peut être indifférent à la vie atypique des moines. Il écrit. Le monastère est révélateur d'un manque sociétal. Nous n'avons pas de temps pour le silence, pas de temps pour le dépouillement. Bien au contraire, nous vivons dans l'absence de spiritualité, quelle qu'elle soit. Mais nous retrouvons ici un monastère, ce qui manque dans notre vie. C'est le défi pour l'architecte que je suis,
Découvrir et comprendre cette communauté, son style de vie, ses exigences et ses besoins qui peuvent sembler si loin des nôtres. Mais quelle expérience fondatrice Pierre Thibault a-t-il été initié au silence et à la contemplation? Écoutons-le nous le raconter. Je me qualifierais de contemplatif. Un trait de personnalité qui s'est manifesté une première fois quand j'étais tout petit dans le chalet en bois rond d'un ami de mon père, dans le coin de la rivière à Pierre, dans Portneuf. Je me rappelle, comme si c'était hier, du bombardier. Une autoneige, une mini-fourgonnette sur chenillette, en quelque sorte, avec des hublots. Nous étions arrivés sur les rives de la rivière à Pierre en plein hiver. La température avoisinait les moins 25. Nous sommes entrés dans ce véhicule de forme ovoïde pour nous rendre au chalet. Tout était givré. Nous voyons à peine à travers les hublots et le pare-brise avec son tout petit essuie-glace. Puis, soudainement, le véhicule s'est arrêté, la porte s'est ouverte et nous sommes entrés dans le chalet où, là aussi, il faisait moins 25. L'ami de mon père a alors enveloppé tous les enfants dans de grandes fourrures qui servaient de couverture. Et il a allumé un immense feu dans son foyer. Tranquillement, la chaleur montait et nous engourdissait sous les peaux. Pendant que nous nous réchauffions et que l'homme commençait à préparer le dîner, j'étais en contemplation. Où c'était tout comme. Il faisait froid, je ne pouvais bouger que les yeux. Mais loin d'être pénible, ce moment était très agréable. J'avais le nez gelé, alors que sous les peaux, c'était chaud. Voir cet homme-là s'agiter autour du feu et des casseroles, sentir l'odeur, voir la couleur du feu sur les murs, c'était grandiose pour le petit bonhomme de 5 ans que j'étais. C'est mon premier souvenir de contemplation. Pierre Thibault est convaincu, depuis ce jour, qu'on ne devrait jamais défier la nature, mais plutôt s'harmoniser avec elle et apprécier la beauté qui en émane. L'être humain est appelé à interagir constamment avec le territoire qu'il habite, à en saisir l'harmonie et à en combattre la laideur dont il est trop souvent l'auteur. Oui, dira Pierre Thibault, la beauté me touche énormément, mais l'absence de beauté aussi. Je trouve difficile de regarder tout ce que nous construisons de non pertinent. Nous dépensons collectivement énormément de temps, d'énergie et d'argent à créer des environnements hostiles, perturbants, irritants. Nous investissons beaucoup pour nous empoisonner l'existence alors qu'il serait si facile de ne pas le faire. Ce que souhaite l'architecte poète, c'est que nos sens puissent danser sans fin dans un enlacement entre le territoire et l'âme. Pour ce faire, il croit qu'il faut tourner nos regards extérieurs et intérieurs vers le paysage qui qualifie l'architecture. Je cite, « Le paysage révèle ce que nous portons en nous et qui est multiple. Il arrive même qu'il fasse apparaître quelque chose qu'on avait enfoui ou laissé en sourdine. L'intégration du paysage à l'œuvre architecturale de Pierre Thibault est constante. Reconnu pour ses maisons nature, alors je vais vous en présenter quelques-unes de ces maisons nature, ces maisons nature qui s'harmonisent et disparaissent finalement dans le paysage. L'architecte poète appliquera ce concept à une grande maison monastère
en réinterprétant la tradition cistercienne dans une herméneutique du renouveau dans la continuité. C'est par ce biais de la contemplation et de l'intégration du paysage dans l'édifice que l'architecte entretient un dialogue stimulant avec les frères de la communauté. Écoutons Don Moreau à ce propos. « Nous autres Québécois, dit-il, sommes gens du dehors. Notre vie bat au rythme de la nature et de la forêt. Avec nos longs hivers et nos nuits qui commencent à 16 heures pour se terminer vers 8 heures le lendemain matin. D'habitude, quand on rentre chez soi, à cause du froid surtout, on vient se protéger derrière les murs épais, coupés de la nature. Ici, grâce aux nouvelles technologies, on est ramené à l'intérieur sans être coupé. On vit la même expérience spirituelle que dans une abbaye européenne du Moyen Âge, mais avec moins de rigidité matérielle, plus de nuances de vie, ce qui correspond davantage à l'âme contemplative québécoise. Pierre Thibault a réussi à offrir à la communauté une abbaye du 21e siècle, qui laisse la nature de notre pays nous dire de tous côtés, à pleine fenêtre, le même dépouillement radical et qui nous reconduit à la même intériorité. Pierre Thibault a anticipé dès l'enfance son geste architectural. Nous l'avons vu. Mais c'est en Europe qu'il apprendra à proprement parler, pourrait-on dire, de son métier. Il a séjourné à Rome, à Paris et en Scandinavie, lieu qu'il affectionne particulièrement puisqu'il y retrouve sa nordicité. Il se laisse aussi grandement inspirer par des collègues dont le talent est reconnu internationalement, le Suisse Peter Zumthor, l'Espagnol Campo Baeza et quelques architectes du studio Mumbai. Ces séjours l'ont obligé, parfois douloureusement, à redécouvrir le potentiel de création au Québec et l'ont amené à se positionner par rapport à ce qu'il avait expérimenté sur le vieux continent. Je cite. Après mon séjour à Rome, je me suis désolé de l'absence ici de tels chefs-d'œuvre millénaires. Je me suis attristé de ne pouvoir prendre pied sur des repères historiques, des vestiges d'une aussi grande puissance. Puis j'ai parlé à un géologue qui m'a fait voir les choses autrement. Nos références historiques, à nous, se trouvent dans le paysage, dans le relief, dans l'histoire naturelle du territoire. Le voyage dans le temps que nous permettent les anciennes constructions romaines, nous pouvons le vivre avec plus d'intensité encore en visitant le parc de grands jardins. La nature est plus ancienne que ces grandes constructions. Et c'est là-dessus qu'il nous faut appuyer. C'est notre passé sur lequel construire notre futur. Pour lui, une chose est on ne peut plus claire. L'architecture ne peut faire fi de la nature. Il me revient comme architecte, dira-t-il, de mettre en valeur l'endroit, de faire ressortir toute la beauté qu'il recèle, de profiter de l'architecture pour montrer et magnifier ce qu'il y a de plus beau. C'est un dialogue. La nature met en évidence l'architecture et l'architecture met en évidence la nature. Le lien nature-architecture plaît aussi beaucoup aux moines. Écoutons encore Don Moreau. Nous voyons notre future église comme un lieu ouvert sur le grand temple de Dieu, ce temple cosmique si bien décrit par le cardinal Danielou. À l'origine de l'humanité, la création tout entière sortant des mains de Dieu est sainte. Le paradis terrestre, c'est la nature en état de grâce. La maison de Dieu, c'est le cosmos tout entier. Le ciel est sa tente, son tabernacle.
la terre l'escabeau de ses pieds. Il y a toute une liturgie cosmique, celle des sources, des fleurs, des oiseaux. Pierre Thibault rejoint aussi les moines dans ce qui touche le rapport au temps. À l'instar de l'architecte italien Enrico Frigerio, il prône le « slow architecture », c'est-à-dire une conception qui prend le temps de réfléchir à chaque détail afin de créer une architecture permanente et qualitative qui s'apprécie depuis le contexte dans lequel elle se trouve. Il importe de s'immerger, de ne plus être dans l'urgence pour donner naissance à un projet. Donc, les conditions de l'acuité du geste architectural résident d'abord dans la notion de lenteur. Prendre le temps de regarder le site, d'être le site, plutôt que de se laisser distraire par celui-ci. Ainsi, l'étrangeté première entre le sujet et le paysage s'estompe et rend possible une véritable et féconde osmose. Donc, contemplation, nature et rapport au temps donnent lieu, dans un contexte d'incarnation des structures, à une rythmique spatiale entre le dehors et le dedans, entre les gestes de la vie quotidienne et ceux de la vie liturgique des moines. Ces vérités poussent Gabriel Ringlet à pertinemment affirmer. Il y a donc, dans la création de Pierre Thibault, tout un jeu de cadence, d'asymétrie, d'irrégularité, un jeu de compression, dilatation qui aide à marquer les heures, aller vers la prière, vers le travail, vers le repas, vers le sommeil, et donc accentuer de manière particulière ces différents moments par la conception même des lieux. Alors qu'en général, les gens habitent le même espace, mais changent leurs vêtements. L'architecte a surtout tenté de changer les espaces, dans le choix des proportions, dans la manière de capter la lumière, dans les rapports à l'extérieur. C'est une question de rythme. L'inspiration de Pierre Thibault le pousse à aller à l'essentiel. Comme les moines en quête de Dieu, il entrevoit l'appel à l'amplitude du peu, du minimal. Il ne recherche pas formellement la beauté dans son architecture. Il y arrive en cherchant l'essence de la vie et le mouvement poétique de la lumière. À mon sens, dira Pierre Thibault, l'architecture n'est pas belle en elle-même. La beauté vient de la capacité d'un espace à favoriser la vie, à capter la lumière, à ressentir la brise dans une pièce. Dans ses principes généraux, Pierre Thibault a développé, dans l'exercice de sa profession et dans son enseignement à l'Université Laval de Québec, une méthode qu'il propose à ses étudiants, prompt à la numérisation, au modèle informatique et à l'efficacité à tout prix. Il insiste d'abord sur l'attitude fondamentale de l'architecte qui doit s'asseoir, se poser, contempler, avant même de penser à prendre des photos ou à élaborer des plans devant l'écran d'un ordinateur. D'ailleurs, pour l'anecdote, Pierre Thibault privilégie encore la maquette qui favorise la concentration, alors que les moyens modernes risquent de distraire inutilement. Ensuite, il propose de suivre son exemple en peignant des aquarelles. En effet, cet exercice permet à la fois de saisir l'environnement et de voyager à l'intérieur de soi. Pour dessiner la brise en rendant compte des dégradés de couleurs durant une journée, l'architecte-poète va au bout de sa sensibilité dans une dynamique d'excendance, comme le dirait le professeur Denis Villepelet, un de mes professeurs à Paris, à la suite d'Emmanuel Lévinas. C'est une fois ces étapes franchies qu'on peut aller à la table à dessin et coucher sur papier les plans qui structureront les éléments à mettre en place pour construire.
Après avoir puisé aux sources de l'histoire de la communauté cistercienne qui a essaimé au Canada, nous avons communié à la détermination des moines à participer en terre d'Amérique à l'ordonnancement du monde par la prière et le travail, selon la vénérable règle de Saint-Benoît, et enfin, nous avons partagé les convictions de l'architecte Pierre Thibault, entre autres sur la contemplation, le paysage, la rythmique spatiale, le dialogue entre le dehors et le dedans et le rapport au temps. Tout cela nous a fait saisir le caractère inédit et providentiel de la rencontre entre l'architecte et les moines. Rencontre qui aura permis la réalisation prophétique de l'abbaye Val-Notre-Dame que nous pouvons enfin visiter les pieds déchaussés, comme le fait le sage amérindien, pour sentir la douceur du lieu qui va l'accueillir. Situé à Saint-Jean-de-Mata, sur un terrain bien arborisé, à 2 kilomètres de la route principale, l'abbaye Val-Notre-Dame, sise au pied de la montagne Coupée, est construite essentiellement en bois. Elle s'étend sur 5800 mètres carrés répartis sur 2 étages. En plus de l'enceinte monastique, on y retrouve une église flanquée en façade d'un déambulatoire extérieur, une hôtellerie et une porterie. Le complexe est composé de 2 jardins, un à l'usage exclusif des moines et l'autre près d'un étang destiné aux hôtes de passage. Un potager, un chemin de croix extérieur et des espaces de méditation en nature complètent l'aménagement de ce qui se trouve à l'intérieur, donc de la clôture monastique. Sur tous les bâtiments, nous l'avons vu, Pierre Thibault a privilégié une approche écologique en utilisant la géothermie, les toits végétalisés et la récupération des eaux usées. Tout cela afin de limiter la pollution du territoire. Vous voyez ici, par exemple, un petit toit végétalisé. Et ici aussi. Sur la diapositive maintenant projetée, nous avons mis côte à côte 2 plans. Celui de l'ancien monastère, que l'on retrouve ici, et celui de l'abbaye Val-Notre-Dame, dessiné par Thibault. Ce qui frappe à première vue, ce sont les angles droits des bâtiments dépouillés. Le cloître de forme carrée, on voit bien le cloître, hein, de forme carrée, est bien présent au centre de l'ensemble, et pour cause. La tradition cistercienne considère cette forme géométrique, donc le carré, comme un élément structurant l'ensemble des constructions du complexe. Dans cette architecture de la sobriété et du dépouillement, qui n'utilise la courbe qu'avec parcimonie, les lignes droites concrétisent la pensée de Saint Bernard pour qui Dieu est profondeur, largeur et hauteur. Le plan de l'architecte de l'abbaye Val-Notre-Dame s'inscrit ainsi dans l'herméneutique d'une tradition séculaire avec laquelle il communie volontiers. Je cite, « Il faut dire que mon univers architectural avait déjà les qualités que recherchaient les moines. C'était donc la rencontre de 2 univers qui avaient déjà une certaine parenté. J'ai perçu leur sensibilité au dépouillement, à la sobriété, au lien de la construction avec le paysage. Comment ne pas noter déjà la noble rigueur de la ligne droite qui mettra en évidence la finesse d'une nature environnante pénétrant à la fois les espaces voués au culte et au travail. Si le cloître capte a priori notre attention,
Il faut noter que c'est l'église abbatiale dont la structure est en ciment peint en blanc, les panneaux intérieurs en merisier et le plancher en ardoise qui permettent au monastère de dilater le quotidien de la vie. L'ouverture sur l'absolu est essentielle pour les habitants de ce microcosme qui pourrait sembler aux béotiens fortement hermétique. Comme plusieurs édifices cultuels catholiques, l'Église, qui pointe vers l'Est, capte les premiers rayons du soleil, symbole du Christ ressuscité, vainqueur de la mort. Les ailes du cloître, comme le veut la tradition cistercienne, ont chacune leur vocation particulière. L'une est dédiée à la vie spirituelle, l'autre à la vie corporelle, une troisième à la vie intellectuelle et la dernière à la vie laborieuse. Église, réfectoire, bibliothèque et atelier sont ainsi organiquement intégrés à un complexe qui manifeste à lui seul l'appel constant des moines à rechercher quotidiennement l'équilibre de leur vie offerte. Fidèle au traditionnel dépouillement trappiste, l'église abbatiale édifie par sa noble simplicité. Quiconque y pénètre. Pierre Thibault a été particulièrement attentif à cette caractéristique architecturale. « Y a-t-il quelque chose que je peux enlever ?» dit-il. « Si je peux l'enlever, je dois l'enlever. Garder un élément non essentiel va perturber le projet, l'affaiblir, lui ôter du rythme, de la légèreté. Car un projet réussi ne retient pas, il ne freine pas, il n'écrase pas, il ouvre, il élève. Et finalement, il laisse place à un nouveau regard. » Fin de la citation. Les moines qui fréquentent l'église abbatiale 2500 fois par année et y restent en moyenne 5 heures par jour méritent bien un tel lieu porteur de sens. Conçu avec des matériaux de la région tels le verre, l'ardoise, le métal, la céramique, mais surtout le bois, le lieu de prière est sobre et élégant à la fois. Le bois, qui est relativement peu utilisé en architecture contemporaine, est pourtant fort utilisé dans les constructions de Pierre Thibault. Il le fait dialoguer avec son environnement, en lui permettant d'emprisonner le carbone ambiant. L'architecte canadien apprécie particulièrement pour l'intérieur les essences de mélèze et de cèdre de l'Est, alors que pour l'extérieur, il travaille avec le pin, le merisier et bien sûr l'érable. Le mobilier liturgique se décline pour sa part en autel de pierre, en tabernacle cubique, et en stalles conventionnelles en bois franc massif. La particularité du lieu est sa verrière, qui s'élance derrière l'autel. Elle permet la rencontre entre une nature généreuse et une communauté priant son Dieu au fil des saisons et des événements. Déjà mentionnée dans les suggestions préliminaires des moines, la verrière a été réalisée par Pierre Thibault, qui lui a donné suffisamment de hauteur pour permettre un regard de s'envoler. La croix, écrivait Don Moreau au moment de l'élaboration du projet, sera éclairée par une grande verrière qui ouvrira sur le beau temple de Dieu. Cette verrière deviendra un splendide vitrail animé qui vivra au rythme des saisons et de leurs couleurs, selon l'intensité du vent ou de la lumière, en harmonie avec la prière des heures du jour. L'architecte Thibault, en concevant sa verrière,
s'éloigne de l'architecture romane traditionnelle avec sa triade de petites fenêtres dans le cœur. Les avancées de la technologie lui permettent un renouveau tout en ne perdant pas de vue la continuité de fond de l'opus. On raconte qu'un moine en prière aurait vu un ours noir mettre son nez dans la verrière. Sa méditation en aurait été quelque peu dérangée. Quoi qu'il en soit, et en toute logique, ce n'est pas seulement le monde végétal qui entre au monastère par la grande porte de l'église, mais aussi le monde des animaux et des oiseaux, cervidés, ouroboux ou autres quadrupèdes poilus. La coquille extérieure de la chapelle est en ciment blanchi et l'intérieur est en bois. On remarque aussi de petites fissures vitrées sur les parois de la nef. Elles permettent de laisser entrer le soleil et d'éviter tout sentiment d'enfermement. L'idée sera reprise dans la conception des cellules des moines. Chacune des chambres est ouverte sur l'extérieur et munie d'un portique pour passer harmonieusement du monde communautaire au monde privé. L'architecte semble avoir trouvé l'équilibre entre solitude et solidarité dans un monde où le silence côtoie la parole. Au-delà de la nécessaire description matérielle, dis-je, des lieux, et pour terminer notre visite, il nous semble pertinent d'interroger la capacité de ce patrimoine bâti à élever ceux qui le fréquentent, car, comme le disait Winston Churchill, nous façonnons nos bâtiments, puis ce sont eux qui nous façonnent. Nous considérerons quatre brefs témoignages qui constituent autant de perspectives intéressantes à évoquer. Celui du père abbé dont Joseph Yvon Moreau, celui du théologien belge l'abbé Gabriel Ringlet et celui du journaliste canadien François Cardinal et finalement celui de l'architecte lui-même. Dom Moreau, qui fut le fer de lance de la fondation du nouveau monastère, raconte comment le judicieux aménagement de l'espace a rendu plus douce la vie fraternelle de ses occupants. Écoutez bien cela. « Nous avons une vie fraternelle tout autre ici, explique-t-il. À Oka, en novembre et février, il fallait régler des tensions entre les frères, car les lieux étaient sombres et moins bien chauffés. Il n'y a rien de cela ici, et c'est en bonne partie grâce à l'architecture. Plus encore, les murs faits de verre, la charpente toute délicate, l'architecture dépouillée et ouverte sur la nature, orientent la contemplation, la méditation et même la prière des frères. Celui qui ne devient pas contemplatif dans un tel endroit, lance le père abbé, le purgatoire a été inventé pour lui. Gabriel Ringlet, théologien de l'Université de Louvain, a le mérite d'avoir séjourné à l'abbaye Val-Notre-Dame et d'avoir pris le temps de mettre sur papier ses réflexions. Celui qui est membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique montre que le « peut avoir de l'amplitude » en décrivant avec précision et parfois lyrisme une expérience liturgique et spirituelle qu'il n'est pas prêt d'oublier. Je ne suis pas loin de dire que l'Église priait pour moi, même seule. On se sent en communauté. Même dans l'élévation, on éprouve une proximité. L'Église est blanche. Mais en y ajoutant ce bois sur les murs qui viennent dialoguer avec les stalles et avec les bancs, c'est comme si on rejoignait un grand meuble, comme si on entrait dans un instrument de musique. L'amplification n'est même pas nécessaire.
Le journaliste de la presse, François Cardinal, se fait le témoin de plusieurs de nos contemporains baptisés et non pratiquants face à une architecture qui soutient la réflexion sur le sens et sur le rapport entre l'homme et le cosmos. Une fois entré dans l'église, je retrouve la même pénombre que dans les corridors du monastère. Des moines en coule, le vêtement blanc qui recouvre leur tunique monastique pendant les offices, entraient les uns à la suite des autres. Leur chant emplissait l'espace, puis la lumière est progressivement devenue plus forte. On semblait retirer petit à petit le voile qui couvrait l'église. Quel espace magnifique! Tout en bois, tout en hauteur, empreint de solennité, mais aussi paradoxalement de simplicité. C'est ici que les moines se retrouvent pour prier, méditer, contempler. 7 fois par jour, tous les jours, Pierre Thibault a réussi un exploit sans commune mesure. Il a rapproché les moines cisterciens de leur philosophie d'origine. Imaginez, il a conçu une abbaye contemporaine qui ramène ses occupants à leur source millénaire. Le dernier témoignage est celui de l'architecte lui-même. Le regard de Pierre Thibault intègre le paysage à l'architecture, met en jeu le rapport occupant-espace et redonne à la lumière naturelle ses lettres de noblesse. Même le rigoureux hiver évoqué négativement par l'ancien évêque de Québec au XVIIIe siècle semble avoir été apprivoisé. Je perçois l'influence de mes projets sur leurs occupants. L'architecture sombre, dépouillée, entraîne immanquablement un état d'apaisement, voire de sérénité. Même les moines, pourtant habitués à la tranquillité, ont bénéficié de leur nouvel environnement. Plutôt que de souffrir de l'hiver, comme c'était le cas à Oka, ils peuvent maintenant observer cette belle saison de l'intérieur et profiter de ses bienfaits, de sa lumière incroyable, et même de sa chaleur qui pénètre par toutes les fenêtres. L'architecture, bien organisée, profite de l'intensité de la lumière d'hiver plutôt que de la subir. Chers amis, ces témoignages nous invitent sous différents angles à entrer dans la poétique de l'architecte de la douceur qu'est Pierre Thibault. À l'évidence, ce dernier a su réaliser un complexe monastique enraciné dans la tradition et ouvert à l'innovation, réalisant ainsi un cahier des charges à la fois exigeant et emballant pour l'artiste et philosophe qu'il est. En conclusion, la trajectoire longue et sinueuse qui a conduit les cisterciens de la stricte observance dite trappiste à s'établir au Canada ne peut être évoquée sans mentionner les qualités de vision et la persévérance de ces religieux dont la contemplation et l'action auront contribué grandement au développement de l'architecture monastique au Québec. La succession des constructions monacales qui a obligé la communauté à réfléchir aux fondements de sa tradition, aux racines de l'ordre, aura constitué un terreau fertile à l'édification de l'abbaye Val-Notre-Dame, qui marque discrètement le territoire de la Naudière par une présence dont personne ne pourrait nier le caractère audacieux et prophétique. L'espérance d'un christianisme en communion avec la nature et le cosmos est ainsi assumée et surtout rendue visible dans un patrimoine bâti, offert généreusement aux générations futures. Pierre Thibault, par sa sensibilité, sa douceur et sa communion au désir de simplicité des moines,
c'est émouvant, ça m'émeut. C'est... Pierre Thibault, c'est un type incroyable. Eh bien, Pierre Thibault aura fait éclater toutes les potentialités d'un minimalisme qui fait découvrir la grandeur d'un monde appelé à la contemplation, au respect de la nature, et pour le croyant, à la rencontre avec Dieu lui-même. De l'église abbatiale au cloître, en passant par les autres pièces constitutives du complexe monastique, la spiritualité des moines bâtisseurs est subtilement présentée au monde grâce au talent et à l'intuition de Pierre Thibault, qui a créé une architecture à la fois résolument contemporaine et enracinée dans une tradition millénaire. Comme quoi, l'herméneutique du renouveau dans la continuité est possible, voire souhaitable, pour l'architecture religieuse de demain. Je vous remercie. Nous devons sur les diverses des présentations. On fait une pause et ensuite 15 minutes et ensuite on vient pour les questions. Donc on a, vous n'avez pas de bande de l'eau, du vin, et puis pause au couloir, converser avec vous et ensuite on viendra pour les questions. Merci beaucoup, M. Sylvestre. C'est bien. Je vais essayer de faire ça.
chose d'un petit avantage, parce que bien, de ceux des artistes. Moi, je suis en beaucoup plus là-dessus, justement,
Parce que tout ça, je sais, je sais pas, et bien,
Comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait récemment? Parce que vous avez fait d'important. Ben, j'ai été opéré. Exactement.
moi à une excellente exposé. Donc, éviter maintenant, même si nos rideaux sont fermés, juste la lumière et qui nous éclaire un peu. Ici, on ne profite pas exactement du même phénomène de la nature, quand on ferme les rideaux, mais les sites du fort de la montagne, quand même, à sa beauté, avec ses tours, ses jardins, son bassin. Nous, donc, on va profiter maintenant pour adresser les questions à M. Sylvestre, soit du côté de la contemplation, du côté du respect de la nature, de la rencontre avec Dieu, d'une architecture qui facilite la communion avec Dieu, qui intègre le silence, la contemplation, le travail. Donc, on a beaucoup d'éléments, beaucoup de points qu'on pourrait approfondir. Donc, à vous la parole pour poser les questions à M. Sylvestre. Je vais coordonner un petit peu. Nous ne sommes pas nombreux, ce sera facile de donner la parole à l'un ou à l'autre qui voudra poser quelques questions. S'il vous plaît, monsieur le grand. Je ne veux pas initier nécessairement le débat. Hein. C'est pas mauvais. J'étudie à Paris. D'autant que mon intervention est destinée à soulever une objection majeure. Je pense que, pour dire les choses très brièvement, au lieu d'une herméneutique de la continuité, vous avez présenté sans vouloir une herméneutique de la rupture. Et je vais vous dire exactement pourquoi. Il y a, au long de votre exposé, une confusion permanente, je n'hésite pas à le dire, une confusion permanente entre vision de l'extérieur et lumière. La lumière est une chose, la vision sur l'extérieur en est une autre. On regarde à l'extérieur, la lumière entre. Et dans l'histoire de l'architecture chrétienne, depuis les origines, à travers le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine, il y a sans arrêt un débat qui oppose les pleins, c'est-à-dire les murs, et les vides, c'est-à-dire les ouvertures. Et à travers l'histoire de l'architecture, il y a eu un véritable combat pour laisser entrer la lumière, mais pas pour voir dehors. Pas pour voir dehors, pour que la lumière pénètre et anime l'édifice, éventuellement à l'aide de vitraux. Et ce que la lumière crée à l'intérieur, et à travers les vitraux a fortiori, c'est une vision céleste, pas une vision terrestre. Par conséquent, ouvrir sur l'extérieur me paraît être, de mon point de vue, une rupture complète au lieu d'une continuité. Est-ce que je me fais comprendre ? Oui, très bien. Et d'ailleurs, votre remarque est fort pertinente. Je dirais ceci. L'herméneutique de la continuité est dans, je dirais, dans l'esprit général du propos. Mais là, vous apportez un point particulier de la lumière et qui est aussi très, très important, puis qu'il faut considérer. D'ailleurs, quand on étudie la liturgie, on voit tout de suite, par exemple, les églises, l'orientation de l'église vers le soleil levant. Hein. Quand on visite les vieilles églises en Terre Sainte ou ailleurs, c'est même assez particulier de voir le rayon de soleil entrer dans l'église, et puis c'est l'ouverture à l'absolu, et ça c'est extrêmement vrai. Mais je pense quand même... C'est périphérique, c'est central. Oui, mais je dirais que tout de même, il y a une chose quand même qui pour moi je trouve vraiment très importante, c'est que Thibault, parce que je pense que de l'avoir montré dans mon propos, Thibault n'est pas un croyant, hein. Il n'est pas un croyant, il ne se définit pas comme un croyant. Donc, c'est sûr qu'il y a une réflexion particulière, mais ce que je trouvais intéressant, et c'est là que j'applique le concept de la continuité, c'est que Thibault ne fait pas une rupture quand même totalement radicale. Bon, pensons au mobilier liturgique, pensons au cloître. Donc là, évidemment... Je respecte votre point de vue sur la lumière, mais je me permets quand même d'apporter ces éléments-là et qui sont, à mon sens, essentiels. Quand j'ai étudié l'architecture à Rome, à l'Institut Saint-Anselme, on avait un professeur, le professeur Bacciarlini, parce qu'il y a un grand débat, justement, en liturgie et en histoire de l'art. Est-ce que
l'homme contemporain peut encore, disons, dire Dieu dans les matériaux, dans... Donc, toute la question de est-ce qu'on doit rester avec le figuratif ou est-ce qu'on peut trouver aussi Dieu dans l'art abstrait? Il y a tout un débat qui se fait et qui est très légitime. Je sais pas, je vous disais tout à l'heure que je suis très ouvert au débat parce que c'est le sens un peu de, personnellement, de ma recherche. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de contemporain, dire et créer quelque chose de contemporain qui va toucher le cœur des gens qu'on côtoie au quotidien? Et moi, je suis de l'avis qu'il faut répondre oui à cette question-là. Sinon, on est condamné à une espèce d'archéologisme qui pour moi, n'est pas porteur d'un avenir. On fait beaucoup du néo, hein, on a fait du néo-classique, on a fait du néo-baroque, on a fait beaucoup de néo, qui est une espèce de réinterprétation, mais dans l'architecture religieuse contemporaine, c'est vrai qu'il y a une dimension de rupture dans certains, sinon on écrirait toujours la même chose, mais je trouve dans l'œuvre particulière de Thibault, c'est pas une rupture radicale, il a été quand même à l'écoute profonde et sincère des moines pour l'environnement. Je ne sais pas si vous êtes allé d'ailleurs au monastère. Est-ce que je suppose que vous l'avez déjà visité? Ben, j'aimerais bien y aller avec vous. Je vous lance l'invitation. Et peut-être qu'à ce moment-là, ben, parce que le problème aussi d'une présentation un peu de type conférence, comme on fait actuellement, c'est qu'on n'est pas dans le lieu, on n'est pas dans le volume. Donc, ça demeure quand même limité. Tu sais, la question de la lumière, j'aimerais que vous veniez pour voir l'effet de cette lumière sur la chapelle, par exemple. Et comment, je pense que Dieu passe par cette lumière-là. Et en ce sens-là, je ne crois pas qu'il y ait rupture totale, avec l'histoire de l'architecture, mais qu'il y ait des différences... manifeste, ça, on peut pas dire le contraire parce qu'on est peut-être ailleurs que dans la reproduction d'un modèle ancien. Moi, c'est ce que j'aurais à dire un peu. Mais ça me fera plaisir d'y aller avec vous. Une question de la lumière intérieure et extérieure, s'il vous plaît, oui. Oui. Je suis un peu timide de passer à tel professeur pour des Il ne faut pas, on est là pour. On réfléchit ensemble. C'est une observation de piéton, là, vraiment, là, ce que je vais faire là. Premièrement, j'ai beaucoup aimé la conférence. Vous avez raconté ça un peu sous la forme d'une histoire. Ça, j'ai trouvé ça vraiment captivant. C'était pas du tout académique. On rentrait vraiment dans l'histoire de la création du bâtiment. Moi, une des réflexions que j'ai eues en voyant ces grandes fenêtres-là, c'est la pensée qui m'a traversé, c'est les oiseaux doivent se cogner souvent sur ces mais c'est pas banal, c'est parce qu'il y a quand même une prétention dans ce bâtiment-là de se réconcilier à la nature, mais ces fenêtres-là sont de véritables trappes à oiseaux, et je dis pas ça par un souci écologiste, sentimental, mais c'est que je pense qu'il est peut-être là le piège. C'est là où on a l'impression de s'être réconcilié avec la nature parce qu'on la regarde, il y a plutôt, comme M. Baudius le disait, une rupture en quelque part. Mm-hmm. Ben, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut l'interpréter comme ça, mais encore là, je vous inviterai à venir au monastère parce qu'il faut vraiment vivre l'expérience d'immersion. Que nous donne à vivre le bâtiment comme tel. C'est sûr que bon, on pourrait dire que cette prétention de communion absolue avec la nature, ben, a ses limites aussi, là, tu sais, dans le sens que évidemment, idéalement, ben, il faudrait pas avoir de vitres, hein, il faudrait avoir la communion. Si on pousse l'idée de Thibault jusque dans ses limites, mais je pense que dans ce contexte-là,
je pense qu'on ne pouvait pas vraiment faire autrement, d'autant qu'on est au Canada. Quand j'ai travaillé au... j'ai travaillé cinq ans au Brésil, et puis et l'architecture aussi au Brésil avait cette prétention-là de la nature, hein, de la communion avec la nature. Les séminaristes, vivaient très mal dans un édifice très carré, fermé, des longs corridors, un peu comme on a ici dans le Nord. Et avec les architectes, on a pensé à un bâtiment beaucoup plus ouvert sur la nature. Mais là, vraiment ouvert, il n'y avait pas de vitres. Mais on a dû en mettre éventuellement des vitres, parce que c'est si on prend l'analogie de l'oiseau, là, c'est un peu... Il ne se frappait pas sur les vitres, mais il venait peut-être empêcher une belle harmonie, là, qui n'était pas toujours très propre dans les corridors. Mais il y avait quand même, ce désir, cette ouverture sur la nature qui, évidemment, pour moi, qui est du Nord, je ne la comprenais pas. Mais à force d'y vivre cinq ans, j'ai compris que, oui, l'édifice, il nous façonne aussi. Il nous ouvre à une autre réalité que je n'avais pas avant d'aller au Brésil. Mais c'est sûr que... c'est une bonne question, il faudrait que je la pose aux moines, s'il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent se fracasser la cervelle sur le verre. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est vraiment très réussi là, comme architecture. Pour moi, il y a peut-être une confusion entre regarder dehors et être en communion avec le dehors. Je pense, pour moi, c'est vers ça que j'essaie de tirer. Oui, mais je pense bien que les moines... les moines avec leur expérience spirituelle, de méditation, d'oraison. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les monastères ont toujours choisi des endroits magnifiques. Aller à Saint-Benoît-du-Lac, j'ai écrit une petite conférence aussi sur Saint-Benoît qui est différente de celle-là, mais qui est extrêmement intéressante aussi. On va ailleurs, on analyse l'architecture avec un petit peu de psychanalyse, c'est différent, mais n'empêche que c'est un lieu magnifique. Donc, le fait de contempler un paysage édifiant, harmonieux, Dieu passe par là aussi. C'est Saint-François d'Assise, c'est quand même une réalité qu'on peut pas nier. Et puis, ça nous amène, en tout cas, moi, méditer devant un beau paysage, devant un lac, devant la mer, etc., moi, ça, spirituellement, ça m'élève. Mais, évidemment, c'est pas... Comment je dirais ça? C'est pas seulement la méditation des belles choses qui nous amène vers Dieu. Il y a aussi, comme vous le disiez, je suis entièrement d'accord, il y a vraiment un travail intérieur sur soi, et ça doit nous ramener en nous, évidemment, pour pouvoir adéquatement réfléchir, mais c'est une bonne remarque. Peut-être toute confusion. Oui. Que si j'ai parlé de rupture et d'innovation par rapport au passé, c'est pas pour la condamner. Non, j'ai bien compris. Je n'ai pas dit que l'innovation, que la rupture était une hérésie au sens théologique du terme. Non, bien sûr. J'ai dit que c'était une rupture et qu'il fallait l'assumer. Très bien. Et pas une continuité. Très bien, merci. S'il vous plaît. La tradition n'empêche pas la rupture. La tradition, elle est possible dans la tradition. Puis c'est possible là. Dieu ne contraint pas l'homme là-dessus. Donc, il y a des possibles dans la tradition, et cette tradition-là, je la trouve très belle chez Pierre Thibault, même s'il est incroyant, il est quand même connu par Dieu, ce Pierre Thibault-là. Oui. Mais une chose que je me pose, une question sur la contemplation, où on se retire du monde. Parce que quand je regarde Jésus est passé du désert tentateur pour aller au bruit effarant de Jérusalem. C'est sûr qu'il n'avait pas la même vocation que nous, mais j'ai de la misère à comprendre cet effet d'évangélisation. Comment comprendre l'évangélisation par
par cette contemplation-là où on se retire complètement du monde, on est tranquille, on ne veut surtout pas être dérangé. Jésus est allé dans le dérangement le plus total que j'ai jamais eu, et pourtant c'est le plus grand contemplateur de nous tous. J'ai beaucoup de misère à... C'est sûr que la vie monastique elle peut nous choquer d'une certaine façon. Hein. J'accompagnais récemment un jeune qui est entré au monastère. Puis je peux dire que quand il m'a annoncé son désir d'entrer au monastère, je n'étais pas choqué, mais j'étais tout le moins surpris. Pas parce que je ne pense pas qu'il pouvait faire un bon moine, mais justement un peu parce que vous dites, dans le sens qu'on dit dans le monde, l'implication, c'est important, puis on s'inspire de Jésus, de son action pastorale, etc. Mais au fur et à mesure que je l'ai suivi, je me suis aperçu quand même que ils peuvent pas entrer au monastère pour ne pas être dérangés, parce qu'ils vont être très très dérangés, si ce n'est que spirituellement, les combats intérieurs et tout, ils vivent quelque chose, une expérience spirituelle qui permet très peu de distraction. Il y a toujours un peu de distraction, ça fait partie de la nature humaine, mais disons beaucoup moins. Ils sont constamment relancés dans leur vie. Centrez-vous sur Dieu, la prière, le travail, aura et labora. C'est vraiment quelque chose d'assez fort, mais je ne crois pas, je ne crois pas personnellement qu'on peut rentrer au monastère pour ne pas déranger. Si on fait ça, on ne restera pas longtemps, je pense. Oui. Oui, c'est ça. À la fin, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de moines et de prêtres dans ma vie, et je peux vous dire que la paix n'est pas non plus à l'intérieur des murs, des couvents et des monastères, plus qu'ailleurs nécessairement. Donc il y a comme vous disiez, des tensions, des conflits, donc ce sont des micro-sociétés, il y a toutes sortes de choses qui surviennent. Mais par ailleurs, dans l'idée d'un monastère, il y a cette idée aussi d'ouverture, mais il y a cette idée de fermeture aussi, à mon sens, de forteresse. Parce que, si je reprends Saint Paul aux Éphésiens, il nous dit très bien que le combat le plus important se livre dans l'invisible. Et bon, pour rejoindre un peu ce que vous disiez aussi, le combat se livre dans l'invisible. On n'a pas besoin de sortir nécessairement sur la rue. Chacun son charisme aussi. Certains ont ce charisme-là, social, politique, ou de la mission dans la rue. D'autres ont le charisme de la prière. Et c'est la beauté de l'Église catholique de réunir tous ces charismes-là. Mais ça prend des forteresses, comme par exemple la vôtre ici, qui est même physiquement ici. C'est fascinant parce que c'est une forteresse au sein du gouvernement. Et c'est le seul endroit où on peut avoir la paix, ben, c'est de moins en moins vrai, ça dépend des heures de la journée, mais où on peut avoir la paix au centre-ville de Montréal. C'est tout de même quelque chose. Et on est en même temps dans un tout autre type d'architecture, bien entendu. C'est ça, puis dans le fond, toute la réflexion, puis j'ai apporté ça aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif, mais de faire réfléchir sur l'architecture religieuse d'aujourd'hui. Quand on déambule à Montréal, moi quand je suis revenu d'Europe, j'avais laissé ma ville natale, Montréal, durant plusieurs années, j'étais frappé par ces églises qui sont en décomposition, littéralement, où les pierres tombent, etc. C'est vraiment, pour l'artiste que je suis, c'est dur de voir ça, parce que c'est des monuments quand même qui sont... Pas tous, là, mais il y a plusieurs monuments extrêmement intéressants. On a une belle richesse architecturale au Québec, la vallée du Saint-Laurent particulièrement.
Puis la question qui se pose, ben, c'est quoi le lendemain de tout ça? C'est quoi la présence de Dieu, les marqueurs de la présence de Dieu dans la cité? On le sait très bien, par exemple, les églises orthodoxes hein, qui, par leur bulbe, disons doré, représentent la lumière. On parlait de la lumière, donc la victoire de la lumière du Christ sur les ténèbres. Quand on voit une église orthodoxe et puis qu'elle brille comme ça, ça en tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Déambuler dans les rues de Montréal, je ne suis pas sûr qu'on voit ça actuellement beaucoup, tu sais. Bon, puis je ne veux pas entrer dans un débat là-dessus, mais simplement peut-être éveiller au moins une réflexion, parce que les marqueurs physiques, architecturaux de Dieu dans la cité, c'est important, et actuellement, ben, on les transforme en shopping center, on les transforme en condominium, etc. Qu'est-ce qui va rester de tout ce patrimoine bâti à différentes époques, par ailleurs, mais qu'est-ce qui va rester dans quelques années dans la ville au Saint-Clocher? Je ne suis pas sûr qu'il va rester grand-chose. Et ça me pose question, moi, parce que c'est bien beau les centres d'achat, les cinémas et tout, mais la vie, ça ne se résume pas à ça. Et je pense qu'il faut avoir l'audace et le courage de poser la question à nos dirigeants aussi, religieux ou civils, ben, est-ce qu'il y a une réflexion profonde qui est faite sur les marqueurs architecturaux de la présence de Dieu dans la cité? Je pense que c'est important de le faire, que ce soit les monastères, les églises, mais je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, à réfléchir là-dessus. Vous avez dit qu'il y a eu une soixantaine de projets qui ont été présentés pour l'abbaye. Est-ce qu'on a un peu une idée de qu'est-ce que c'était, la variété, le style? Ben, c'est extrêmement intéressant, votre question. Alors, je les ai feuilletés un peu, ces projets-là. Ça allait dans toutes sortes de directions. Comme je dis, il y avait des projets qui étaient beaucoup dans la ligne du néo, hein? C'est-à-dire qu'on faisait une relecture, une abbaye cistercienne européenne, bon, par exemple. Et bon, en mettant quelques éléments là, typiques de la région. Ensuite, il y avait des choses, comme je dirais, un petit peu complètement flyées, là, un peu qu'on allait dans le moderne, là, avec l'utilisation, par exemple, de la technologie, mais une utilisation très, très présente, très prégnante, en fait, de la technologie. Probablement exagéré, là, mais disons qu'il y avait ça parce que... Mais ils ont eu toutes sortes de projets. Il y en a d'autres qui étaient intéressants, je pense qu'ils auraient pu être réalisés aussi. Mais je pense, pour avoir parlé, bon, autant à l'architecte qu'avec le père abbé et certains moines, ben, c'est cette espèce de communion qui est née entre quelqu'un qui par sa sensibilité, n'est pas indifférent à l'existence des moines, à leur pratique, à leur futur, etc., mais qui n'était pas non plus quelqu'un de fondamentalement, comme je le disais tout à l'heure, croyant. Mais c'est cette rencontre-là, ce dialogue-là, qui donne naissance à ce bâtiment qu'on peut critiquer, dont on peut questionner certains aspects. Mais je trouve que faire ça aujourd'hui, c'est prophétique et c'est surtout très courageux parce que on assiste surtout, comme je disais, fermeture d'église, et ce qu'on entend constamment dans le milieu ecclésiastique ces temps-ci, c'est un peu ça, là. Des ventes de feu, moi j'appelle ça un peu des ventes de feu, là. Les couvents, les maisons, on vend tout rapidement, ça change vite, et enfin, moi je sens que ça change trop vite, puis à un moment donné, ben, ça ne peut pas continuer comme ça non plus, il faut qu'il y ait une réflexion, je pense, je suis ardent défenseur de ça. Il faut qu'il y ait une réflexion sur la présence des marqueurs dans la société. Mais votre question est très pertinente. Donc, ça allait un petit peu dans toutes les directions. Oui, vous avez une question ensuite. Je pense que des architectes, qu'ils soient croyants ou incroyants, comme Pierre Thibault, sont les prophètes d'une nouvelle métaphysique qui peut être accueilli par le catholicisme. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que avec Pierre Thibault, avec cet art-là, à mon avis, on est en train de détruire ce que Heidegger
et Picasso ont détruit, c'est-à-dire la beauté métaphysique. Bravo, Pierre Thibault, franchement, il fait quelque chose de grand. Bon, il y avait une autre question, je pense, une dernière peut-être. Mais c'était pas une question, c'était pour rebondir sur quelques interventions. Je suis pas tellement d'accord avec toi, Benoît, là-dessus. Je pense que le minimalisme architectural, c'est un peu un aveu d'échec d'une église qui a très très peu de choses à dire sur le monde contemporain et qui utilise des grandes fenêtres pour nous dire « regardez dehors, l'harmonie elle est dans la nature ». Je lisais Romano Guardini, les lettres du lac Combe récemment, il défait complètement cette idée-là. La nature, c'est un lieu de chaos, de compétition. Il y a des moments d'harmonie dans la nature, mais c'est une fuite en avant que de chercher l'harmonie dans la nature. La nature, elle trouve une harmonie quand l'homme vient la civiliser, je pense. Et pour moi, ce type de minimalisme-là, c'est l'Église qui fuit devant sa tâche, d'une certaine manière. Mais c'est intéressant parce que je pense pas qu'il y a une réponse absolue. Ça demande beaucoup de nuances dans ce débat-là qui est franchement très intéressant. Faudrait reprendre ça avec plus de temps. Mais je pense que dans cette... en tout cas, l'effort de Thibault et des moines est admirable, mais je veux dire... On est bien conscient que toute œuvre est perfectible aussi. Et je pense bien que c'est pas... Enfin, on disait que le bâtiment nous façonne, certes, mais il faut y vivre, il faut... Et je pense que l'expérience des moines est importante là-dedans. Par ailleurs, pour petite anecdote, par rapport au minimalisme, si vous pensez le tilleul en France ou tout ça, le mouvement d'architecture religieuse d'aujourd'hui est surtout le mouvement français, il est très minimaliste. Par exemple, on va représenter une croix, mais on ne mettra pas de corpus dessus. Là. Vous savez un petit peu ce que vous dites. Moi, j'ai eu à travailler avec des artistes qui étaient résolument de ce mouvement-là. Et quand je vous disais que l'importance du dialogue dans tout ça, c'est bien, parce que sinon on peut tomber dans l'idéologie, là, comme on dit. Mais j'avais dit, bon, c'est très bien cette croix-là, c'est quelque chose, mais il faut dire, ça reprend un peu le point que vous avancez, il faut dire quelque chose de notre foi. On est chrétien, donc moi je veux un corpus. Bon, je veux un corpus. Alors, la conclusion de cette intervention-là avec l'artiste, il leur dit, bon, très bien, je vais vous faire un corpus. Mais il a fait un corpus, disons, contemporain. Puis j'ai dit, oui, c'est bien, mais on est habitué à avoir une représentation vraiment typée de Jésus qui se décline à toutes sortes de sauces, si on veut. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans le dialogue avec l'artiste, c'est pour ça que j'ai respecté ça, il disait, la figure du Christ, là très bien, il est figuré, on le voit, il est sur la croix, mais parce qu'il n'est pas figurativement extrêmement précis, de façon plastique si on veut, ça donne quand même la possibilité aux gens, aux croyants, mais évidemment pas par génération spontanée, là, mais un croyant profond, réel, convaincu, de voir les traits du Christ, de voir sa vision, effectivement, subjective, certes, mais sa vision du Christ qui rejoint l'objectivité du personnage historique, Jésus-Christ. Mais il y a ça aussi, je pense, dans l'art qui est non figuratif, qui est plus... Oui, il y a une rupture, oui, mais il y a quand même une possibilité, de rencontre. Et c'est ça qu'il faut essayer d'équilibrer, je crois, enfin. Je pense que c'est possible. C'est pas facile, hein. D'ailleurs, je sais pas, faudrait faire les statistiques là-dessus, mais il y a pas beaucoup d'artistes religieux contemporains au Québec. Il y en a certains que je connais qui font des belles choses, mais il y en a pas énormément. Souvent parce que leur art est pas particulièrement demandé, intéressé, les gens s'intéressent peu à l'art religieux. Mais c'est intéressant de parler avec ces gens-là parce que ils ont vraiment quelque chose à dire dans un langage, dans un médium qui est différent, mais qui appelle toujours la transformation de la matière pour dire quelque chose. Mais il y a quelque chose à faire de ce côté-là au Québec. En Europe, on retrouve un peu plus de créateurs.
en Italie, par exemple, au Portugal, en Espagne. Mais ici, il faut encourager nos créateurs religieux aussi, parce que ces églises-là ou ces monastères-là, ben, il faut qu'ils soient décorés, il faut qu'il y ait des statues, il faut que... C'est même chose à Saint-Benoît-du-Lac. Vous aurez remarqué à Saint-Benoît-du-Lac, c'est Angelou. Hein, c'est Angelou qui a travaillé, l'architecte, qui est orthodoxe. Mais Angelou, par exemple, a mis dans la grande église abbatiale les statues dans des espèces de tuyaux un peu très contemporains, là, des tuyaux de... Et puis les moines n'ont pas du tout aimé ça. T'sais. Ils n'ont pas aimé ça. Là, ils ont demandé des modifications. Et donc, le dialogue s'est opéré, et il s'est opéré au fur et à mesure que les moines vivaient et apprenaient à apprivoiser le lieu. Et la grandeur d'Angelou, de d'autres architectes aussi, mais je cite celui-là parce que je sais pertinemment, Angelou est entré en dialogue avec les moines, puis a dit « Ah, voilà, ça, cet aspect-là, j'avais pas pensé. Ça, cet aspect-là, j'avais pas pensé. » Et il a eu l'humilité, disons, parce que d'apporter des correctifs, mais, et les moines... aussi la grandeur d'âme de respecter aussi l'œuvre de cet artiste-là, parce qu'on ne peut pas tout changer, sinon c'est plus l'œuvre de l'artiste, c'est une œuvre collective. Il fallait quand même garder le caractère de cet architecte-là, mais avec quand même une ouverture qui me semble assez intéressante, sans perdre, puis ça vous avez entièrement raison, le risque du minimalisme, c'est de perdre le sens. Si c'est trop minimal, là, tu dis, ben ouais, ça prendrait quand même un corpus, une abdication, puis dire, justement, on n'a plus rien à dire. Et ça, c'est dramatique, il ne faut pas arriver à ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut dialoguer, il faut mettre les artistes aussi au défi, mais en même temps, il faut s'ouvrir à leur art, parce qu'un artiste décrit des expériences qu'on peut difficilement avoir peur autrement. En tout cas, je pense qu'il y a un don particulier chez l'artiste pour ça, pour la musique ou comme pour l'architecture ou la sculpture. Je pense qu'avec ces indications de M. Sylvestre, on peut remercier sa présentation. Nous restons l'inquiétude comment dans l'art, dans l'architecture, dans la musique, on devrait trouver une manière de présenter un langage aussi religieux dans ses études, dans la théologie de l'art, ou en représenter l'humain, représenter le divin, qui est une partie d'un des cours que vous avez fait à l'Institut à Musée de Louvre. Ça nous laisse l'inquiétude comment trouver de nouvelles expressions, de nouveaux symboles, un langage nouveau, de nouvelles expressions, de nouvelles méthodes pour rendre présent le divin dans l'humain, dans notre société contemporaine. Ça, c'est une, je pense, le but de notre conférence d'aujourd'hui, et que je pense qu'on attente à nous en recevant l'information, mais en ayant des questions qui nous mènent à penser comment nous pouvons aujourd'hui, profitant de l'ancien et du nouveau, trouver un langage, une symbologie, une expression, une méthode, une approche qu'on appelle pour la nouvelle évangélisation, que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de trouver les manières de faire que ces éléments soient expressifs de quelque chose de plus profond, tout en respectant les règles de l'art. Donc, M. Sylvestre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et peut-être, juste en terminant rapidement, si vous voulez continuer votre réflexion sur l'art, parce qu'évidemment, on parle vraiment de l'architecture cistercienne. Alors, le monastère conçu par Thibault est cité dans ce très bel article « Architecture cistercienne contemporaine, une boucle de rétroaction ». C'est de Jean-François Pousse et c'est publié dans « Art sacré 2016 ». Alors, c'est quand même intéressant. On voit une série d'exemples d'architecture contemporaine monastique, d'inspiration, justement, cistercienne à travers le monde, en Norvège, entre autres, et tout. Alors, c'est intéressant, si ça vous le dit, pour poursuivre la réflexion et pour voir ces réalisations contemporaines. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous n'avez pas pris mon objection à mal, je sais. Non, mais vous comprenez. Oui. Non, puis j'ai bien rectifié. Il n'y a pas de compte.